Ça représente quoi pour vous, la construction d'un hébergement supervisé et adapté dans la MRC des Chinois? Ben, pour nous autres, avoir un hébergement adapté supervisé, ça veut dire que Rachel, un jour, pourrait avoir son milieu de vie à elle, là où elle va avoir son autonomie, là où elle va avoir son intimité aussi. Je voudrais bien jouer avec elle, Rachel, mais pas nécessairement qu'elle veut que je sois dans sa bulle. Des fois, elle me le dit clairement. Oui, c'est important qu'elle ait son monde à elle, ses amis à elle, sa vie à elle. Du 1er octobre au 1er novembre, l'hébergement adapté et supervisé des Chinois a besoin de vous. Un toit pour toi. Un toit grâce à toi. Donnez généreusement.